Bonjour tout le monde, comme annoncé dans la vidéo précédente, je continue la playlist Fiche Composant avec un nouvel élément. Ce nouveau composant se trouve dans les applications utilisant des afficheurs à 7 segments et est le CD4033. Dans cette vidéo, j'essayerai d'être le plus simple possible dans mes explications en vous proposant comme d'habitude une petite application. Le CD4033 est un circuit intégré compteur diviseur décimal basé sur un compteur Johnson. Il a des sorties décodées, c'est-à-dire qu'elles peuvent être reliées directement aux 7 segments d'un afficheur, bien entendu sans oublier les résistances de limitation des segments. Ce circuit intégré est de technologie CMOS et possède 16 broches. La tension d'alimentation du CD4033 est comprise entre 3 volts et 18 volts. Ces sorties peuvent délivrer une intensité maximale de 2,6 mA. Cependant, les valeurs exactes de votre CD4033 sont visibles dans la documentation technique du constructeur de votre circuit intégré. Aussi, il est similaire au CD4026. Observons le brochage du CD4033. La broche 1 clock. Elle correspond au signal d'horloge, elle permet d'incrémenter les sorties du compteur. La broche 2 clock inhibit. Elle permet d'activer le signal d'horloge en la reliant à la masse. La broche 3 ripple blanking in ou RBI. Elle permet d'effacer les zéros en combinaison avec la broche 4. Comme nous verrons dans un prochain montage. La broche 4, Ripple Blanking Out ou RBO. Elle permet d'effacer les zéros en combinaison avec la broche 3. Également à voir dans un prochain montage. La broche 5, Carry Out. Elle est utile pour placer en série un autre CD4033 permettant de compter les dizaines. Les broches 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13, ce sont les broches de sortie. La broche 8, VSS ou GND, soit Ground, elle correspond à la masse. La broche 14, Lamp Test ou LT, elle permet de tester l'afficheur en allumant les 7 segments, elle est active à l'état haut. La broche 15, Reset, c'est la broche de remise à 0 du compteur. Et enfin la broche 16, VDD ou VCC, elle correspond à la broche d'alimentation positive comprise entre plus 3 volts et plus 18 volts. Le CD4033 est, comme le montre son diagramme interne, composé d'un compteur Johnson à 5 étages réalisé à l'aide des bascules D que j'ai abordé lors de la présentation du CD4013. Les sorties de ce compteur sont décodées à l'aide d'une combinaison de portes logiques. Chaque sortie décodée est reliée à un segment d'un afficheur à LED. Concernant son fonctionnement, commençons par l'entrée d'horloge, soit la broche 1. Cette entrée arrive sur une des entrées d'une porte non et par l'intermédiaire d'une porte tampon. Aussi, l'entrée d'inhibition du signal d'horloge, qui est la broche 2, arrive sur l'autre entrée de cette porte par l'intermédiaire d'une porte inverseuse. Le signal de sortie de la porte non E est inversé à l'entrée d'une seconde porte inverseuse. La sortie de cette dernière est reliée à l'entrée d'horloge des bascules D. Ainsi, pour que l'impulsion sur l'entrée d'horloge soit prise en compte, nous devons placer la broche 2 à un niveau logique bas. Ensuite, les sorties Q et Q bar des bascules sont dirigées vers tout un réseau de portes logiques. Les sorties de ce réseau sont reliées à une des entrées d'une porte non OU. Par conséquent, dès qu'une des entrées de ces portes est placée à l'état haut, le signal de sortie passe par une porte inverseuse, permettant aux sorties du CD4033 d'être également placées à l'état logique haut. Concernant l'autre entrée des portes non OU, elles sont reliées par l'intermédiaire de deux portes inverseuses à l'entrée permettant de tester l'afficheur. La broche 14.
Par conséquent, en plaçant la broche 14 à l'état haut, tous les segments de l'afficheur s'allument. Ainsi, si nous ne souhaitons pas faire cette vérification, il faut placer cette entrée à un niveau bas. Concernant les broches 3 et 4, elles permettent d'enlever les zéros inutiles si on utilise plusieurs CD4033 et donc plusieurs afficheurs. Imaginons 3 afficheurs qui affichent par exemple la valeur 10. En n'enlevant pas les zéros inutiles, nous aurions 0,10. La broche 3 du CD4033 gérant l'afficheur des unités est à placer soit à un niveau logique bas, soit à un niveau logique haut. La broche 4 est reliée à la broche 3 du CD4033 suivant et ainsi de suite. Ainsi, si l'on souhaite retirer les zéros inutiles, la broche 3 doit être placée à un niveau logique haut. Quant à la broche 5, elle sert de retenue et doit être reliée à l'entrée d'horloge d'un second CD4033 pour incrémenter les dizaines et ainsi de suite pour les centaines. Concernant la broche 15 qui est la remise à zéro du compteur, l'état de celle-ci est inversé par une porte inverseuse avant de rejoindre l'entrée reset des bascules. Comme ces entrées sont actives à l'état bas, un niveau haut sur la broche 15 permet de remettre à zéro le compteur. Observons le schéma de principe incluant le CD4033. Ce montage n'a aucune utilité, juste celui de tester le circuit intégré. Il n'y a juste que les broches 4 et 5, soit RBO et Carry Out, qui ne sont pas utilisées. Les entrées Clock Inhibit, RBI et Lamp Test sont reliées chacune à un interrupteur afin de vérifier le comportement du circuit quand elles sont à l'état bas ou à l'état haut. Quant aux entrées d'horloge et reset, elles sont reliées à un bouton poussoir. Dans ce schéma, nous voyons des LED bleues. Celles-ci témoignent de la mise à l'état haut des entrées. Lors de la mise sous tension, quand tous les interrupteurs et les boutons poussoirs sont ouverts, toutes les LED sont éteintes. Ainsi, les entrées du CD4033 sont toutes placées à l'état bas, soit à zéro. Aussi, comme l'entrée RBI est à l'état bas, l'afficheur reste éteint car le chiffre 0 est effacé. Par conséquent, un appui sur le bouton poussoir S2 incrémente le compteur et fait défiler les chiffres 1 à 9 sur l'afficheur à chaque impulsion sur l'entrée d'horloge. Un appui sur le bouton poussoir S3 réinitialise le compteur, éteignant l'afficheur. Si on ferme le premier interrupteur de S1, la LED bleue qui lui est reliée s'allume, témoignant de la mise à l'état haut de l'entrée Clock Inhibit. Par conséquent, les signaux d'horloge sont désactivés, ne permettant plus au compteur de s'incrémenter à chaque impulsion sur l'entrée d'horloge. Si on ferme le deuxième interrupteur de S1, la LED bleue qui lui est reliée s'allume, témoignant de la mise à l'état haut de l'entrée RBI. Par conséquent, le 0 est affiché. Ainsi, les chiffres 0 à 9 défilent à chaque impulsion sur l'entrée d'horloge. Si on ferme le troisième interrupteur de S1, la LED bleue qui lui est reliée s'allume, témoignant de la mise à l'état haut de l'entrée Lamp Test. Cela permet de tester l'afficheur en allumant tous les segments de celui-ci. Voyons à présent le schéma d'implantation. Sur la partie du haut, nous retrouvons le CD4033 avec les résistances de tirage à la masse de ses entrées et son condensateur de découplage, ainsi que l'afficheur et ses résistances de limitation. Sur la partie du bas, nous retrouvons les interrupteurs et les boutons poussoirs avec leurs LED témoins. L'alimentation du circuit est réalisée avec une tension de 9 volts. Voyons le CD4033 mis en pratique sur une platine d'expérimentation. Sur les breadboards, nous retrouvons notre CD4033, notre condensateur de découplage, nos interrupteurs, nos résistances de tirage vers la masse au niveau des branches d'entrée du CD4033, nos LED et leurs résistances de limitation, ainsi que l'afficheur et ses résistances de limitation. Laissons tous les interrupteurs ouverts. Lors de la mise sous tension, nous observons que l'afficheur est éteint.
En appuyant sur le bouton poussoir S2, le compteur incrémente ses sorties et les chiffres de 1 à 9 défait la tour de rôle. Dans cette configuration, le 0 est désactivé. Fermons l'interrupteur tout à gauche de l'interrupteur DEP de sorte à placer l'entrée clock inhibit à l'état haut. La LED témoin correspondante s'allume. À présent, en appuyant sur le bouton poussoir S2, le compteur ne s'incrémente plus. Ouvrons l'interrupteur de gauche et fermons le second interrupteur de sorte à placer à l'état haut l'entrée RBI. La LED témoin correspondante s'allume. À présent, le 0 est affiché. En appuyant sur le bouton poussoir S2, le compteur incrémente ses sorties et les chiffres de 0 à 9 défait la tour de rôle. À présent, ouvrons le second interrupteur et fermons le troisième interrupteur de sorte à placer à l'état haut l'entrée lampe test. Là aussi, la LED témoin correspondante s'allume. À présent, tous les segments de l'afficheur sont allumés. Cela permet de tester l'afficheur pour s'assurer de son bon fonctionnement. Aussi, le comptage est toujours actif car quand on ouvre l'interrupteur, l'afficheur montre où en est le comptage. À présent, appuyons sur le bouton poussoir S3. Nous observons que le compteur est remis à 0. Ainsi, selon la configuration de l'entrée RBI, l'afficheur est éteint ou affiche le chiffre 0. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté le CD4033. Nous y avons vu son principe de fonctionnement ainsi qu'une petite application dans le but de le tester. Dans la prochaine vidéo, je vous proposerai un montage utilisant ce circuit intégré. Afin de ne pas rater la sortie de celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me faire part de vos impressions dans l'espace commentaire. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronique. Bye!